Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Perpignan au stade Aimé Giral. C'est la suite de cette 16e journée de Top 14. Perpignan reçoit La Rochelle, une rencontre que l'on va vivre en compagnie de Julien Rix. Bonjour Julien. Salut Thibaut, bonjour à tous. Avec un enjeu tout particulier pour les deux équipes ce soir, Julien. Ouais, deux équipes qui ont des objectifs différents mais qui ont toutes les deux besoin de points aujourd'hui. Voilà. On connaît La Rochelle qui n'est pas qualifié depuis le début de saison, qui n'est pas encore entré dans le top 6 et qui va rechercher aujourd'hui d'essayer de glaner des points pour justement enfin se rapprocher de ce top 6 qui fait forcément partie de leurs objectifs. Et Perpignan voilà, qui veut s'éloigner de cette zone rouge, qui a eu un début de saison compliqué, qui va mieux depuis quelques semaines, mais voilà, ces deux équipes ont forcément besoin de points aujourd'hui. Les Perpignanais qui sortent d'une défaite du côté du Stade Français la semaine dernière, mais ils peuvent avoir de la confiance parce qu'ils sont sur 5 victoires consécutives à domicile. Voici la composition emmenée par le capitaine, le 3/4 centre argentin Geronimo De La Fuente, avec également sur le banc des remplaçants à noter la présence d'Ignacio Ruiz, le talonneur international argentin également pour les Rochelais. 4 changements par rapport à la semaine dernière, la défaite sur la pelouse du Loup avec Sacha Idoumi au talonneur, Thomas Ployer en deuxième ligne, Raymond Roule qui fait son grand retour à l'aile de cette équipe. Ça aussi on va en reparler, lui qui n'a pas joué pour l'instant cette saison avec le Stade Rochelais, et Brice Dulin titulaire à l'arrière à la place d'Antoine Astoy qui lui portera le numéro 10 aujourd'hui. Les deux équipes qui sont dans le couloir. Julien, peut-être un petit mot encore, notamment sur ces Rochelais, on l'a dit, qui sont toujours pas dans le top 6, jamais été dans le top 6 cette saison. C'est peut-être aujourd'hui la bascule pour eux. Oui, il va falloir qu'ils s'y mettent d'ici la fin de saison s'ils veulent réaliser leurs objectifs. On les a vus la semaine dernière réaliser une belle première mi-temps à Lyon et ensuite passer un petit peu à côté de leur seconde période, ce qui avait occasionné un petit peu de colère, une incompréhension de la part de Rondin Nogara. Voilà, cette équipe a réussi à gagner à Pau il y a quelques semaines. Maintenant, s'ils veulent en faire rentrer dans le top 6 et se lancer vers leurs objectifs élevés, il va falloir qu'ils gagnent d'autres matchs à l'extérieur, et pourquoi pas aujourd'hui à Perpignan, même si ça va être une mince affaire. Et les Perpignanais, eux, qui ont la pression du résultat, parce que vous l'avez vu il y a quelques instants, les Montpelliérains qui se sont imposés à domicile face à Bayonne. On va vous laisser vivre en ambiance la sortie des deux équipes où on se retrouve une fois que les joueurs sont sur la pelouse d'Aimé Giral. C'est la suite de cette 16e journée de Top 14. Les Catalans et les Rochelais à la recherche de points, évidemment. On l'a dit, le top 6 pour La Rochelle, le maintien pour Perpignan qui veut éviter évidemment la dernière place, mais aussi l'avant-dernière, celle de Barragistes qu'ils ont occupé lors des dernières saisons. Ils vont avoir un atout de poids, les Catalans, comme souvent à domicile. Le 16e homme présent, guichet fermé pour le stade Aimé Giral cet après-midi. Une rencontre qui sera arbitrée par monsieur Adrien Descôtes, assisté de Frédéric Chazal et de Stéphane Coulon. À la vidéo, on retrouve Bruno Besso. C'est Tommaso Allan, l'international italien qui a mis justement sa carrière internationale entre parenthèses. Et c'est pour ça qu'il est présent aujourd'hui avec le numéro 15 dans le dos, lui qui a joué à l'ouverture la semaine dernière du côté du Stade Français. Et c'est lui qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Le premier ballon récupéré par Levani Botia, titulaire en troisième ligne. C'est la même troisième ligne pour La Rochelle que la semaine dernière. Botia, Cancorier et Tanga. Carbarlo, mais ce ballon va rester dans l'air de jeu. Attention, parce que c'est Veredamou qui a récupéré ce ballon. Mais ballon intéressant pour les Catalans ici, avec la charge de l'âme. Cochard, avec McIntyre qui ouvre une brèche à De La Fuente, son capitaine. Libération dans le sens. McIntyre qui porte, qui est pris par la défense rochelaise.
tempo pour les avants avec Tanguy. Oviedo, titulaire en poste de numéro 8 et première pénalité de cette rencontre. Elle est contre les Catalans. Ouais, on n'a pas relâché le ballon au niveau de... Il me semble que c'était Tetrashvili. Donc on avait vu Carbarlo rater un petit peu sa sortie de camp, son jeu au pied. Et tout de suite, les Perpignanais se lançaient dans une offensive. Attention, c'est les Rochelais, c'est une des meilleures défenses de ce championnat. 22 points de moyenne encaissés à l'extérieur. C'est très peu. Il va falloir conserver les ballons. Il va falloir être plus précis, notamment au niveau des soutiens, si on veut franchir cette défense côté catalan. C'est de Idoumi et le ballon contré par Van Tonder. Premier ballon récupéré par les Catalans avec ce jeu au pied de Lucas Dubois. Ballon tranquillement récupéré par Brice Dulin qui avec son pied gauche va trouver la touche. Et la touche va être un secteur important également parce que les Rochelais sont plutôt bons dans le secteur avec troisième alignement sur leur propre lancer alors que c'est pas du tout le cas des Perpignanais, mais statistique qui est remise en question sur ce premier lancer. Ouais, on se souvient du dernier match de Sacha Idoumi qui avait eu quelques difficultés au niveau de ses lancers. On a voulu faciliter la tâche là en lançant devant. Et l'alignement catalan est bien contré, et bien lu la trajectoire du ballon. Catalan dans le dos, on avait anticipé avec Cancorier. Un deuxième ballon pour Veredamou, plaqué par Brice Dulin. Un jeu qui rebondit avec Van Tonder, titularisé en deuxième ligne aux côtés de Tanguy, parce qu'on le sait, Tulagi est avec l'équipe de France et Marvin Ory, lui, est commotionné. Bonne lecture hein, de ce tennis, bon premier plaquage. Réussi à faire reculer cette offensive perpignanaise. Non. On va être obligé de passer par du jeu au pied de la part de Cochard. Le voici, le jeu au pied des Cochard, tenté de mettre la pression sur Brice Dulin. Impeccable, un petit peu long ce jeu au pied. Et attention parce que Veredamou, il a récupéré ce ballon. S'est mis rapidement sur ses appuis. Nouvelle chance pour les Catalans après un ballon récupéré, mais il est rapidement perdu. Ici, ballon pour Rémi Piquet. Non, recule. Dulin en position de relayeur. Pour la première charge de Georges-Henri Colombe. Passé avec les amants Yohan Tanga, notamment, qui marque un essai la semaine dernière à Lyon. De risque côté Rochelet. On va bien s'organiser après cette récupération de balle. Carbarlo qui va utiliser. Le ballon était sorti. Et il avait bien lu l'âme pour mettre la pression sur le demi de mêlée néo-zélandais, mais le ballon est malgré tout conservé. Brice Dulin, position de relayeur qui replace ses avants. Tanga. Plaqué par Van Tonder. Ils ont du mal à sortir de leur camp, les Rochelets. Récupéré par McIntyre. Il avait peut-être vu les Fanny Bottia arriver pleine balle. Ouais, il avait senti arriver. Il a perdu le ballon du regard pendant une demi-seconde. Alors que là, on va voir le bon plaquage de Raymond Roule. En tout cas, bonne montée défensive de Raymond Roule. Le bon plaquage derrière de ce tennis. Le ballon n'est pas couvert là-bas. Ils sont bien rentrés dans leur rencontre défensivement, en tout cas les Rochelais. Ouais, on le disait, c'est une des équipes qui encaisse le moins d'essais dans ce championnat, moins de 2 essais par match. Derrière le Stade français, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, on la connaît. Ils vont bénéficier de leur premier ballon dans le camp des Catalans. Cette bonne mêlée. C'est intéressant avec ce 5 de devant qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir côté Rochelet. Il y a pas mal de jeunes joueurs. Forcément, il y a les internationaux, il y a des blessés aussi. Par contre, ils ont une très belle ligne de 3 quarts. Les Rochelets. Le ballon sorti ici par Yohan Tanga. Dulin. Pour Panverne. Un ballon pour Jules Favre. Il y a du monde sur les extérieurs, mais on va plutôt aller dans l'axe avec Thomas Ployer. Ballon libéré, Carbarlo. Astoy, le coup d'œil, le petit jeu au pied de Carbarlo, de Astoy, pardon, qui va filer direct en touche, ballon rendu aux Catalans. Il y a peut-être une petite incompréhension au niveau de la ligne de 3 quarts Rochelais. On avait vu des 3 quarts se projeter à hauteur. Antoine Astoy qui avait choisi de chercher son ailier. Regardez le couloir sur le premier, s'il vous plaît. Pour une passe au pied. Comptez-vous.
Relayeur, c'est 2 mètres. 2 mètres. Marty sur le bord de la pelouse. Pour l'instant, il n'y a pas d'occasion franche dans ces 5 premières minutes. Et un nouveau lancé, alignement réduit pour les Catalans. Lame pour Alan Brazo, le contre de Judicael, qu'encore y a ballon récupéré par les Rochelais. Jules Favre qui conserve. Par de la Fuente. Soutenu. Aussi préféré garder ce ballon. Kerbarlo. Yohan Tanga qui touche beaucoup de ballons dans ce début de match. Non, lâchez. Lâche ça. Stoy qui s'appuie sur ses avants avec Georges-Henri Colombe qui casse le premier plaquage. Il avance. Georges-Henri Colombe, il est inarrêtable dans les 22 mètres. Un avantage, on n'a pas le droit de toucher 9, on n'a pas le droit de toucher le ballon, on attaque le sol. On va revenir à cette pénalité, justement. C'est la deuxième contre les Catalans, en un petit peu moins de 7 minutes. Ouais, première bonne offensive de la part des Rochelais. Qu'est-ce qu'on fait ? On les a vus utiliser la largeur du terrain, on les a vus venir jouer dans l'axe. On a vu cette charge de Georges-Henri Colombe. On choisit d'aller en touche. Voilà. Là, on voit Colombe qui fait des ravages au centre du terrain. Voilà, les joueurs qui vont perdre leurs appuis, on attaque le sol. Le 9 a mis les mains, on ne fait plus toucher le ballon. On s'applique là, sur la touche. C'est pour Idoumi, premier sauteur. Judicael Cancorier, le ballon porté qui va s'organiser. Le ballon bien au fond, au chaud, dans les mains de Sacha Idoumi. Et c'est bien défendu. Exactement, on avait choisi de ne pas sauter côté catalan. Ils ont été trois quarts. Brice Dulin qui feinte le jeu au pied. Il est passé, Brice Dulin, le crochet intérieur. Il est repris par la défense. Il reste debout. Il attend le soutien. Ballon dispo pour Kerbarlo. Il s'appuie sur Idoumi, son talonneur. Attention, le contre-ruck des Catalans. Ils vont récupérer le ballon et même une pénalité. Première action, pas conclue par les Rochelais. Bonne défense des Catalans. D'abord au niveau du ballon porté, on les avait vus pas sauter. Bien contrer la tentative de ballon porté rochelaise. Et ensuite, c'est les trois quarts qui ont fait le boulot. Ils ont réussi à défendre haut. On avait Brice Dulin à s'en sortir, arriver à crocheter, jouer dans le contact. Et sur le temps de jeu suivant, on voit cette percussion de Idoumi. Un bon plaquage. Et ensuite, on va tenter un contre-ruck une fois de plus. C'est Véré Damou. On le connaît, il est puissant, Véré Damou, dans ces zones-là. Très fort du bas du corps. Il a réussi à lui tout seul à repousser 2-3 Rochelais, pour permettre à son équipe de récupérer le ballon, récupérer une pénalité et se dégager. C'est pas la fête dans le secteur de la touche, hein, que ce soit des deux côtés. Là, ça a été un... Ah, c'est assez imprécis, ouais. Vous avez raison Thibault, là, depuis le début de ce match, à ce niveau, dans ce secteur. On a aperçu Ronan Ogara dans les tribunes, lui qui a un petit peu piqué son équipe après la défaite à Lyon la semaine dernière. On va voir s'ils arrivent à réagir. Et un premier ballon pour Raymond Roule qui a bien fait de se mettre au sol. Et malheureusement, le ballon est perdu sur le ruck. Ballon gratté par Seyla Lalame. Au départ, si vous lâchez, récupère le ballon. Il faut lâcher de suite. Il a conservé le ballon, Raymond Roule, alors qu'il avait été sous la pression de Véré Damou dans un premier temps. Et ensuite, la défense catalane est arrivée, a réussi à le... On le voit là. C'est Brazo, Oviedo. Il va venir mettre la pression sous roule et récupérer le ballon. On part d'un camp à l'autre. C'était il y a quelques secondes, on était aux abords de la ligne d'en but catalane. On va se retrouver maintenant avec ce bon jeu au pied, cette bonne pression défensive. On va se retrouver tout de suite dans le camp catalan, dans le camp rochelais, pardon. Sur le premier, s'il vous plaît. Raymond Roulin, on ne l'a pas souligné, qui fait son retour après de nombreux mois d'absence. C'est un joueur important aussi de ces deux dernières saisons côté rochelais. Bien capté cette fois-ci par Alan Brazo. Le maul est constitué. Pour l'instant aussi, c'est bien défendu. Ça va avancer peut-être dans un second temps. Ballon sorti par Ekocha. Et ben, on a l'avantage de toute façon. On lève les appuis. 8. Vous levez les appuis. Et on imagine qu'ils vont assister en touche, les Catalans. C'est Yohan Tanga qui est pénalisé. On lui reproche d'avoir levé les appuis de son adversaire direct. C'est interdit lorsqu'on défend un ballon porté, notamment. Pas
droit de déstabiliser les joueurs qui poussent. Voilà, on le voit là. Allez-y, allez-y. Du coup, nouveau lancé à 5 mètres pour l'âme. Un joueur blessé dans la zone, on va attendre quelques instants. Ça y est, c'est parti. Ça va. L'ancien président a été plutôt bien défendu. La tentative de l'emporter était bien contrée par les Rochelais. Brazo, une nouvelle fois choisi. Il s'est bien défendu de la part des Rochelais cette fois-ci. Un peu comme les Catalans tout à l'heure, mais cette fois-ci on est passé par le sol. Et Cochard qui va devoir repartir avec ses avants. C'est Brazo qui est servi. À 5 mètres de la ligne, l'initiative est laissée aux avants avec la charge de Rolofseu. Qui n'a pas réussi à pâtir, peut-être ici, le ballon a été perdu, peut-être, oui, c'est signalé par le camp arbitral, petit homme avant de Maxime Tanguy, me semble-t-il. Les Rochelais qui sont présents en défense depuis le début de ce match. Il va contenir les assauts des Catalans au bord du ruck. La marque, messieurs, on y va. Qui a commis en avant, pilier gauche, géorgien. Ce ballon qui sort. On va ouvrir l'angle. On se voit peut-être Ajvili qui essaie de s'en saisir. Qui perd la possession. Ça sera bien du côté Rochelet. Première mais la rencontre après 12 minutes. Et celle-là, elle va pas être facile à négocier pour les Rochelets. La deuxième. Pas bien compte que ça va être tout à l'heure que Juan Tangat est parti après la mêlée. Produit, une sortie par Juan Tanguy, bien plaqué. Derrière, capitaine, non, ballon couvert, il y a un roc. Bon travail une fois de plus de Juan Tanguy derrière sa mêlée. Et un dégagement cette fois-ci, Carbarlo qui va trouver la touche, mais ça reste une petite touche, la pression reste dans les 22 mètres Rochelais. Ils sont présents les Rochelais. Ronald Nogara a peu coûté la semaine dernière à la performance de son équipe. Ils ont remobilisé dans la semaine et là c'est vrai qu'ils sont bien présents en début de match, notamment défensivement, c'est un de leurs points forts. Allez, nouveau lancé pour l'âme, toujours Alan Brazo cette fois-ci, c'est une déviation. On va aller chercher Oviedo, premier attaquant, pris par Carbarlo. Attention, le retour dans le côté fermé, c'est bien fait avec Brazo. Stoppé par Raymond Roule à 5 mètres de la ligne. Et Cochard, charge de Patrick Sobella désormais, troisième ligne. L'âme qui conserve, fin de la passe, bien pris par Botia. Libération ralentie, Bougui Valou. Attention à Jean-Henri Colombe, il est pénalisé. Avec Sobella, ça s'ouvre pour Patrick Sobella, encore quelques centimètres. McIntyre pour Alan, la fin de passe de Tommaso Alan. Il va encore manquer quelques mètres. On est toujours sur l'avantage côté catalan. McIntyre en position de relayeur pour Rolofseu. On va rester forcément avec les avants. Maxime Tanguy, est-ce qu'il a réussi à aplatir Maxime Tanguy? Non. C'est bien défendu dans l'embut. Mathieu. Il n'a pas essayé. On va revenir à une pénalité face au poteau. Ce qu'il ne faudrait pas prendre les points cette fois-ci. Peut-être faudrait se récompenser là côté catalan. Ça fait quelques minutes qu'on est, dans les 22 mètres Rochelais. Ils ont entendu, visiblement. Les Rochelais qui. C'est quelque chose, ils contrôlent derrière. Je suis à côté, moi, il n'y a rien qui m'a choqué. On va utiliser les Rochelais qui font front alors qu'on avait vu une tentative de changement de sens. Alors, il y a une particularité côté Rochelais lorsqu'on s'approche des 22 mètres, lorsqu'on est dans les 22 mètres, c'est Carbarlo qui défend en premier défenseur. Donc on avait peut-être vu côté catalan que sur le retour, évidemment, si on le faisait plaquer, il allait être absent. Donc c'est peut-être pour ça qu'on avait changé de sens. On avait eu un semi-décalage, une semi-opportunité de franchir. Et puis ensuite, sur les quelques temps de jeu suivants, il a réussi à récolter une pénalité. Il transforme Tommaso Alan. Ça fait 3-0. C'est les Catalans qui ouvrent le score grâce
Alors buteur italien Tommaso Allan. Et voilà, c'est bien défendu de la part de Tanga Ployer. Ça a été bien défendu. Ils ont plusieurs opportunités là au bord des. Enfin, aux abords de la ligne d'en but. On a réussi à repousser les offensives catalanes. On a récompensé le travail avec ses premiers trois points. Et le renvoi d'Antoine Astoy. Dégagement immédiat de la part de Tommaso Allan. C'était pas assez haut ce renvoi. C'était plutôt facile de s'en saisir de la part de Allan et de tout de suite inverser la pression. Brice Dulin qui est plaqué au centre du terrain. Charge de Louis Panverne. Le jeu dans l'axe avec Johan Tanga, il est passé. Johan Tanga, le crochet, il est rentré dans les 22 mètres. Le raffut sur Allan, il est repris par Brazo. Il y a des espaces sur les extérieurs peut-être, dont Brice Dulin qui revient chercher du soutien avec Georges-Henri Colombe qui résiste mais qui perd le ballon. Ballon arraché, peut-être un bon ballon de récupération. Lucas Dubois qui dégage son camp, qui va faire reculer Raymond Roule. Attention au rebond, Raymond Roule. Heureusement qu'il est agile, le Sud-Africain. Mais là, ils vont prendre la pression dans ce ruck. C'est bien replacé Raymond Roule. Il a réussi à se saisir de ce ballon. C'est la lame. C'est la lame. Il a relâché le joueur plaqué avant d'essayer de contester le ballon. Alors qu'on avait vu sur le temps de jeu précédent. Ouais. On n'a jamais le plaqué. Ouais, c'est ce que, on va voir Jean-Jacques Colombe là, qui va s'infiltrer. On... Ok, on peut jouer en touche. Oh, pardon, c'était sur le temps précédent. Colombe qui semblait demander un plaquage haut. Il avait plus c'est pour ça qu'il a arrêté son action là dans les 22 mètres catalans. Il est blessé, Jean-Jacques. Ouais, enfin, il va demander la vidéo alors que l'envoyé en Tanga une fois de plus. Bon. Là, il va s'infiltrer dans l'axe. Ouais, voilà, c'est ce qu'il voulait, Jean-Jacques Colombe. Lui qui a un appel à la vidéo, il estimait que le plaquage était un peu haut. Visiblement non. C'est intéressant pour les Rochelais sur la ligne des 22 avec Idoumi. Capté par Ployer. Et ballon dévié pour la charge de Levani Botien. Oviedo qui est venu aider ses trois quarts. Carbarlo, petite combinaison avec Idoumi. Il y a du gaz, Sacha Idoumi aussi. Un dispo pour Carbarlo, Cancorier. Jules Favre la combinaison. Antoine Astoy qui va chercher les extérieurs avec Teddy Thomas. Frontal Teddy Thomas. Virulent les contacts là, des Rochelais depuis le début de cette séquence. Ah, c'est le soutien offensif qui est sanctionné. Louis Panverne. C'est déjà la cinquième pénalité contre la Rochelle. Ça fait seulement 18 minutes qu'on joue. Ouais, c'est dommage, là c'était sur une bonne séquence offensive. Dommage qu'on n'arrive pas à... Ouais, on le voit, il vient sur le côté, Panverne. C'est dommage, on n'arrive pas à capitaliser sur les offensives. Hein. On est plutôt bien en place offensivement, même si on a vu un petit défaut d'animation là, au niveau des trois quarts. Le Catalan qui aussi arrive à faire front là, aux assauts Rochelais. Levani Botia touché. On est 22 mètres là-bas. Jean-Henri Colombe il y a quelques instants touche au visage visiblement Botia. Ça va messieurs? Il y a deux équipes qui sont neutralisées depuis le début de ce match. Elles ont chacune des deux équipes a eu des opportunités dans la zone de marque adverse. On n'a pas réussi à concrétiser. Ça, c'était les trois points de Tommaso Allan. On a vu un beau franchissement là, de la part de Johan Tanga. On va repartir avec ce lancer pour l'âme, légèrement dans le camp catalan. Touche à 4 encore une fois. Et Van Tonder toujours impeccable pour aller chercher le milieu du terrain avec Oviedo. Qui joue au pied des cochards, ça c'était annoncé. Lucas Dubois, est-ce qu'il sera dessous? Ballon récupéré par les Rochelais.
avec Jules Favre. Ouais, c'est une zone un peu incertaine, c'est une zone de terrain de 40 mètres catalan. Voilà, c'est Brice Dulin qui s'est contré, c'est complètement raté. Brice Dulin, du coup il y a le jeu au pied, peut-être pour Véré Damou à la course avec Brice Dulin justement. Est-ce qu'il n'aurait pas aplati Véré Damou juste avant la ligne? On a besoin de l'arbitrage vidéo là, Thibaut. Ah ben non, visiblement non. Adrien Descôtes est sûr de lui. Ouais, il va demander la vidéo, il va demander la vidéo. Pour moi, c'est pas un rebond en but parce que le ballon est en dehors du champ de jeu. Pas du tout. Ouh. Tu veux le contrôler ou pas? Ah oui, il va il semble qu'il a aplati un Véré Damou. En tout cas, c'est lui qui aplati, c'est sûr. Mais est-ce que ce ballon est sur la ligne ou dans le terrain? Arbitrage vidéo. Ça ne doit pas se jouer à grand chose. On va vérifier ça à la vidéo pour monsieur Descôtes. Donc, demande-moi une image, s'il te plaît. Bonne chance, blesser. Monsieur l'arbitre, là, pour prendre la décision. L'angle était pas mal, je trouve. C'est peut-être là qu'on voit le mieux. En tout cas, il y a une pression sur le ballon. Ouais. Il faut juste savoir si voilà, maintenant ce ballon touche la ligne ou pas. S'il te plaît, ici. On va essayer. C'est ouais, juste avant la ligne. Il n'y a pas de raison de refuser cet essai, ouais. Bruno. Ouais, il va essayer. Vas-y. En tout cas, le public d'Aimé Gérald, lui, a déjà accordé l'essai. Le premier pression, point de pression est dans le, c'est le terrain. 14 qui a plati pour moi. Pour moi, il y a essai. Donc, c'est bon pour tout le monde. Ok. Le sixième essai cette saison pour David Véré Damou. Après un mauvais dégagement de la part des Rochelais qui ont du mal à sortir de leur camp depuis le début de la rencontre. Ouais, c'est Brice Dulin qui s'est fait contrer. Et ensuite, il me semble que c'est Dugui Valou qui avait vu l'espace libre, qui avait délivré cette passe au pied pour son ailier. Vous êtes, c'est bon. Comme quoi, il faut y croire jusqu'au bout parce qu'on pensait que ce jeu au pied était un petit peu long de la part de Dugui Valou. Le voici. Il n'est pas parti devant, Véré Damou. Ça, c'est notre histoire. En tout cas, il est arrivé devant Brice Dulin. On a vu Véré Damou chasser les joueurs au pied de son demi-mêlée. On l'a vu déjà récupérer deux ballons dans les rucks. Là, c'est lui qui inscrit le premier essai. C'est vraiment un des joueurs phares depuis le début de saison. Côté catalan, Véré Damou. Deuxième tentative cet après-midi pour Thomas O'Hallan. Ça va passer entre les poteaux. Et ça fait 10 à 0 pour Perpignan. Là, au niveau du score, hein, c'est 10 pour Perpignan. 0 pour La Rochelle, ça c'est bon. 0 pour La Rochelle. Le renvoi d'Astoy, il faut une réaction hein, là côté à Rochelet. Peut-être en récupérant ce ballon, même pas. Ils ont eu leurs opportunités là au début de match. Les Rochelais, ils les ont laissé filer dans les 22 mètres catalans. La marque est ici là. On avait tenté un renvoi au centre du terrain avec la montée et la vitesse de Teddy Thomas. Allez bleu, on y va, allez. On s'attend avant. Allez. Bon, mettez-vous en place s'il vous plaît. Un petit peu la tête, c'est la marque. Rochelet. Parce qu'on avait plutôt mis les ingrédients. En tout cas, en défense, on était présent. Côté Rochelet, ouais, ça fait tout de même 10-0. Ouais, ils sont présents dans l'intensité, hein, que ce soit en défense ou même lorsqu'ils portent le ballon, les Rochelais. C'est vrai qu'ils ont été un peu imprécis, là, notamment dans la zone des 22 mètres. Ils se sont trouvés tout de suite devant défendre, devant sortir de leur camp. Cette mêlée, l'effort de la première ligne, mais les deux premières lignes qui se relèvent, il va être à rejouer. Non, ça se relève, mêlée. C'est plus une mêlée. Restez en bas, d'accord? Si ça se relève, ça ne sera plus une mêlée, on ne peut plus jouer. Faites l'effort de rester en bas. Pareil, bleu, on reste en bas. Bien, il y a 15 jours, les Catalans qui avaient réussi un gros match, un match de très haut niveau face au Racing. C'était il y a 3 semaines maintenant. Ils vont beaucoup mieux depuis quelques semaines, notamment à domicile, les Catalans. Flexion perplexe, Ronaldo Garra. Lié. C'est début de match. Ouais, il sent que son équipe, elle est dans le match. Il récupère déjà une opportunité avec ce bras cassé. Est-ce qu'ils vont reprendre la mêlée, les Rochelais? Ouais.
maîtrisez vos entraves. Hein. C'est la première, excuse-moi. Il n'y a pas de souci, mais. Attention. On n'arrive pas de mener à 8, allez. Maîtrisez, s'il vous plaît. La marque, elle est là, monsieur. Pour les prochaines, vous pouvez regarder le 9 qui dépasse tout à l'heure. Ok, après, je suis là. Mais là, il n'y a pas le. Là, il ne dépassera rien. Charles, il dit c'est quelques petites infos là à monsieur Descôtes. Flexion. Allez, introduction pour Kerr Barlow cette fois-ci, mais elle est intéressante forcément au centre du terrain comme ça. Jouez là. Kerr Barlow pour Sotoni qui va défier tout droit McIntyre. Bien en dispo. Avec Botia qui vient travailler ici. Sobella. Il passe dans le dos. Attention. Jean-Henri Colombe qui sort les bras pour Astoy. Il a le soutien de Teddy Thomas. Raymond Roule qui a été plaqué par Lam. Doumi. Derrière. Jeunes avant Rochelet. Au boulot ici avec Panverne, Rémi Piquet désormais préparé Cochard notamment, aidé par Oviedo. Sotoni, est-ce qu'on ne trouve pas trop d'avancée ici avec Cancorier peut-être. Attention, Oviedo, il a mis les mains sur le ballon. Il va être récompensé, non. Teddy Thomas qui vient chercher du boulot avec ses avants. C'était bon, Tomber, il me semblait qu'il avait bien cueilli là au bord du rack. Non, jouez pas. Jean-Henri Colombe, en tout cas, à chaque fois on le sait. Retour à l'intérieur pour Idoumi de la part de Tanga. Astoy, la longue passe d'Antoine Astoy, le 1 contre 1. C'est bien défendu de la part de McIntyre, bien aidé par Veridamou, me semble-t-il, mais il y a une pénalité contre les Catalans. On peut juste annoncer par l'arbitre, on va continuer l'action. Qu'est-ce qu'on fait, non ? Allez, Rochelet pour la troisième incursion là, qui. Commence à mettre en difficulté les Catalans. Ils sont bien plus précis là dans leur jeu, bien plus précis au niveau du soutien. Allez-y, jouez. Sur cette séquence en tout cas. Chose à aller en touche. Joue à la main peut-être. Non, je pensais que c'était une feinte de la part d'Antoine Astoy. Gardez le couloir s'il vous plaît. Il est important de se lancer. Sacha Idoumi. Et Van Tonder, il a touché ce ballon, mais c'est en avant. Du coup, ce ne sera pas une touche. Et non, finalement, parce que le lancer n'était pas droit. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine ? Est-ce qu'ils vont prendre la touche ou la mêlée ? Les Catalans. On est allé chercher la difficulté. Hein, côté Rochelet, il semblait qu'il y avait une zone de libre là, au tout devant de la touche. On a préféré. Aller chercher le milieu fond de touche et c'était sans compter sur la bonne lecture de Van Tonder. On allait chercher au-delà des 15 pour les Catalans et Oviedo il fait un bon boulot pour mettre son équipe dans le reste bon avec sens. Moi, avec moi. Et Cochard pour McIntyre qui peut dégager son camp. Mais ça va vite revenir avec Johan Tonga notamment. Croisé ici pour Brice Dulin, il a vu un intervalle, ça s'est rapidement refermé devant lui. Attention, ballon arraché pour Panverne. Petit en avant de Georges-Henri Colombe, c'est brouillon côté Rochelet. C'est dommage, ils étaient sur une bonne séquence là précédemment. Malheureusement, pour la troisième incursion dans le camp catalan, ils ont encore perdu un ballon. Mais là, ici la marque. Avec cette touche et ce mauvais lancer. La marque, elle est là. D'ailleurs qu'il a refait une bonne contre-attaque, un bon ballon de contre-attaque là. Voilà, sur le temps de jeu suivant, encore une fois, petite erreur en avant de Colombe. On a essayé de transmettre le ballon, on n'était pas forcément prêt à le recevoir. Cette incompréhension, Jean-Jacques Colombe venait au soutien dans le rock. Penverne a préféré lui jouer dans le contact. Flexion. On va se retrouver encore une fois sans la possession. Pénalité cette fois-ci en faveur des Catalans dans le secteur de la mêlée. Sixième pénalité contre La Rochelle. Ouais, ça commence à faire, c'est lui Penverne qui est sanctionné. Au sol. Proche de perdre ses appuis. En tout cas, ils vont pouvoir sortir un petit peu de leur camp, les Catalans.
Ah, c'est dommage, les Rochelais, ça fait plusieurs fois qu'ils touchent. Ils ont des opportunités là dans le camp catalan, ils n'ont pas encore réussi à avoir vraiment une occasion franche de marquer. Là, une pénalité en bonne position là, à tenter. On se retrouve tout de suite dans ses 22 mètres. Ils sont présents les Rochelais dans l'intensité. Ils sont un peu plus précis. Ils ont une bonne opportunité, mais là, effectivement, il n'est pas droit à se lancer de l'âme. Il est pour les Rochelais. Vous disiez là, on est en double transmission, Thibaut, la touche catalane, c'est pas le point fort, hein, c'est 70% seulement de réussite. C'est la dernière équipe justement à ce niveau-là. Et pour le reste, il n'y aura aucun problème. Steph, dis-moi sinon, hein, on fait pas la touche, ils se mettent à marquer. On sent qu'il y a de l'envie hein, côté Rochelet. Donc, comme ça se passait bien. C'est un petit peu brouillon et surtout il faut scorer parce que là ça fait 10 à 0. L'épaule toujours. Ouais, c'est pareil, débutant à 10 à 0, ça peut être vite comblé évidemment. Mais c'est vrai qu'ils ont raté quelques opportunités là depuis le début de ce match, les Rochelais. Une précision dans leur jeu. On va jouer dans ses propres 22 avec Brice Dulin par McIntyre, bien pris même par McIntyre. Il est épais, Brice Dulin, il est gaucher, il ne peut pas dégager. Et la pression de Sobella sur Rémi Piquet. Ils sont bien dedans, même si les Perpignanais. Non. Oui. Dégagement de Carbarlo. Obligé de laisser ce ballon dans l'air de jeu forcément, il y a bataille dessous et c'est Sotoni qui s'impose. Thomas, position de relayeur pour Thomas Ployer. Derrière. Il avait cru que Carbarlo avait commis un en avant, finalement c'est derrière selon Monsieur Descotes. Astoy dans le dos Dulin, Teddy Thomas, mais c'est bien en place, ouais, la défense. Place. Ils ont réussi à se replacer hein, les Perpignanais, mais il y avait une petite opportunité là après cette réception de balle. C'était des avants qui étaient face à les trois quarts. On n'avait peut-être pas bien communiqué côté Rochelet. On avance peut-être ici. Ballon gratté par Tanguy. Nouvelle pénalité contre les Rochelais là, qui étaient un petit peu isolés. Ils prennent des risques, hein. Ils jouent pas au pied dans leur camp, forcément. Non, Thibaut, vous avez raison, il faut faire attention là dans ces zones. C'est que lorsqu'on porte le ballon, on s'expose justement à des grattages. Donc un peu de vigilance au niveau du soutien. Là, c'est Pelverne, le plaqué par Ecocha. C'est Mathieu Tanguy, alors oui. J'ai l'impression qu'il met les mains au sol d'abord avant d'attaquer le ballon, Mathieu Tanguy. C'est peut-être aussi parce que le soutien était quand même bien loin, qu'il était vraiment tout seul, Tanguy. En tout cas, ça donne une nouvelle opportunité aux Perpignanais de scorer avec Thomas Soalan pour son troisième coup de pied de l'après-midi. Viens, Judy, on attaque le sol. 85% de réussite, Thomas Soalan, depuis son retour de la Coupe du Monde. 91 points. C'est parti pour Tommaso Alan et ça va passer, il continue son sans faute, l'Italien 13 à 0 pour Perpignan qui mène un petit peu plus de 30 minutes de jeu pour les coéquipiers de Mathieu Acebes. Perpignan qui n'a pas gagné contre La Rochelle depuis octobre 2021, 5 défaites consécutives contre cette équipe qui ne leur réussit pas beaucoup. Peut-être aujourd'hui avec une relance de leur propre camp. Oviedo derrière reculé, ballon dispo pour Ecochard. McIntyre pour Tetrashvili, attention, ouais, Bautier a failli mettre les mains dessus.
Alan qui allonge jusqu'à Veredamou. L'accélération, le raffut de Veredamou, il est passé. Le soutien de Tommaso Alan, l'accélération de Tommaso Alan. C'est une relance de 80 mètres de la part des Perpignanais, conclue par Tommaso Alan. Quel essai de la part des Catalans. Il est super cet essai, Thibaut. C'est encore une fois Veredamou qui a réussi à faire sauter le verrou de la défense rochelaise. On avait vu les Catalans partir loin de leur camp, partir très bas. Voilà, on va voir McIntyre, il va le voir, ce petit surnombre, cette bonne passe de Tommaso Alan. Et là c'est Veredamou qui vient de sur un contrôle, il arrive à faire jouer debout avant contact. Et ensuite Tommaso Alan, premier passeur, qui vient se placer à son intérieur et qui vient avec sa vitesse déborder la défense et venir aplatir cet essai. Super attitude encore de Veredamou. On le disait, c'est un des meilleurs joueurs catalans depuis le début de cette saison. Là, une fois de plus, c'est lui qui arrive à gagner le duel dans son couloir, à faire jouer avant contact et à donner, à offrir cet essai à Tommaso Alan. Et ça commence à faire lourd là pour les Rochelais. On disait tout à l'heure que 10 points c'était pas rédhibitoire, là c'est 18, peut-être 20 avec la transformation d'Alan. En tout cas, on a bien fait de parler de Veredamou en avant-match parce qu'il le montre encore une fois, qu'il est un des tout meilleurs éléments de cette équipe catalane. Il le démontre encore aujourd'hui. Les Catalans qui sont intraitables à domicile là depuis quelques semaines. Et ça va passer, ça continue. Le sans faute de Tommaso Alan, 4 sur 4, 20-0. C'est le score en faveur de Perpignan face au champion d'Europe, Rochelais, dépassé dans cette première période. Visiblement il va bien Tommaso Alan. Il a décidé de se mettre un peu en retrait de la sélection. Il avait besoin de souffler un peu, d'avoir un peu moins de pression sur ses épaules peut-être. Là ça lui a fait du bien, ce petit intermède, parce qu'il réalise lui aussi une bonne première période. Non. Notamment dans ses tirs au but. Attention, cette pénalité rapidement jouée par Kier Barlow. Nouvel avantage en cours. Il faut une réaction, ce serait bien de scorer pour les Rochelais avant la mi-temps, réduire un peu l'écart pour espérer en seconde période renverser la tendance. Ils ont eu leurs opportunités les Catalans, mais ils les ont laissé filer là. Ils ont eu au moins trois opportunités de mettre sous pression les Catalans dans leur 22 mètres, peut-être là. Derrière. Voilà, ça fait plusieurs fois là qui. C'est l'expérience de Kier Barlow évidemment. Voilà, on est sur un avantage, heureusement, encore une petite incompréhension là, entre Jules Favre et Teddy Thomas. Sortez de la zone 2. Nouvelle pénalité. Contre Perpignan, ils vont prendre les points, visiblement. Nestoy qui s'apprête à tenter sa première pénalité pour lui. Tenter de réduire un peu le score. Il faut qu'il fasse attention là au niveau de ses plaquages. Beaucoup d'intensité, mais ils sont à la limite à chaque fois. Hein. À la limite du plaquage haut. Pas de jeu déloyal, c'est bon. Ça passe pour Antoine Astoy, 23, 17 points de retard pour les Rochelais qui inscrivent leur premier point à quelques minutes de la fin de cette première période. Arrêt du temps. C'est dubitatif, Brandon Nogara. Le temps, il reprendra que vous aurez le ballon dans les mains pour jouer. C'est qu'on n'a pas l'impression là que les Rochelais soient okay. Dépassés. Ils sont déjà assez largués au niveau du score. Évidemment, il n'y a rien de rédhibitoire, c'est une équipe de l'expérience. Et tiens, la réception. Plus difficile. Il faut assurer la sortie de camp après avoir marqué les trois premiers points.
pour les Rochelais. On verra Carbarlo. Ce ballon très haut de Veredamou. Il n'y a pas trop de pression sur Veredamou. Un peu de pression là, peut-être. Une pénalité. Ça y est, ils ont récupéré. Finalement, les Perpignanais sont largement en tête, mais ils sont tout de même. C'est un peu un festival d'indiscipline cette première mi-temps. On est à 7 pénalités contre Perpignan. Et 7 également côté Rochelais. Thomas Stoy qui va trouver une belle touche. Elle est là, peut-être la nouvelle opportunité pour les Rochelais de revenir avant la pause. Après, c'est Pain Vernet qui est venu. Hein. Il a gratté ce ballon, c'est assez réactif là pour venir se coller au ballon avant les soutiens offensifs. Relancé pour Sacha Idoumi. Thomas Ployer à la réception de ce ballon. C'est le premier, c'est bon. Ballon porté qui n'ira pas plus loin. Il va falloir repartir un petit peu de zéro avec ce Tony, pourquoi pas. Non, lâchez au placage. Par Oviedo. Corrier grappit quelques mètres le capitaine Rochelet cet après-midi. Ramon Roule, que l'on a très très peu vu dans cette première période. Nouvelle pénalité contre les Perpignanais avec Carbarlo qui a bien joué le coup. Même passe pour Favre avec Roule. Bonne défense de Dougui Vallou, agressif. 8e pénalité contre Perpignan, même s'ils sont menés au score. Attention, les esprits qui s'échauffent un petit peu avec Dubois et Carbarlo. Il est bien en place défensivement côté catalan, on lâche pas un centimètre. On arrive à plaquer à deux. On arrive à arrêter les attaquants rochelais sur un davantage. C'est bien la faute là côté catalan. Monsieur Bocotte qui va appeler, on imagine, les deux capitaines. C'est un match engagé, d'accord. On maîtrise ses joueurs. Dans 20 secondes, c'est la mi-temps. On refait redescendre, d'accord. Vous parlez à vos joueurs, on remaîtrise, ok. Là, je repars sur le 5, plaqueur qui sort pas. Reprise. Qu'est-ce qu'on fait? On touche. Poteau. On va prendre les points. J'ai entendu Antonin Stoy dire on touche. Mais Judikel Cancorier a choisi. Ce sera 3 points. J'ai l'impression que... Là, tout à l'heure, il y a la main sur le ballon et la main au sol. Tu vois, les deux sont vraiment... Après, j'ai pris tout à l'heure. Merci, ça va, c'est la mi-temps. Tout à l'heure, c'est pareil, c'est ce que vous me dites, c'est pour ça, ouais. Et si elle passe, les Rochelais, ils auront inscrit 6 points en 2 minutes. Ils vont chercher à se payer un peu les Rochelais de leur... sur cette première mi-temps. Ils n'ont pas eu d'occasion nette de marquer un essai. Ça passe pour Antoine Astoy, 2 sur 2, 20 à 6. C'est le score à la pause en faveur de Perpignan qui mène face à La Rochelle. Attends, une petite réaction au micro de Romain Amalric au bord du terrain. Avec Tom Ecochard, me semble-t-il. Allez, avec Tom Ecochard. Tom, un début de match parfait pour les Perpignanais. Il va falloir continuer sur cette intensité en deuxième période malgré le vent contre. Ouais, voilà, t'as tout dit. L'intensité est bonne, ce qu'on produit est bon aussi. Après, on avait l'appui du vent, donc pour les sorties de camp et pour aller jouer chez eux, c'est plus facile. Voilà, par contre, après, la mi-temps est de qualité. Merci, Tom. Et personne du côté de La Rochelle, finalement. Et ben, on va attendre, patienter quelques petites minutes. Et envoyer une petite bande-annonce. On se retrouve juste après pour parler notamment Super Rugby à la mi-temps. Voilà donc pour l'ouverture de cette saison de Super Rugby Pacifique avec la victoire des Chiefs face aux Crusaders. La 16e journée de Top 14 qui a commencé à 15h avec le match d'ouverture donc entre Montpellier et Bayonne. Match à enjeu évidemment, les Montpelliérains qui se sont imposés 28 à 3 avec le premier essai, 28 à 23 pardon, avec le premier essai ici inscrit par Cobus
Reynac. Et Julien, c'était un match à pression forcément parce qu'après leur victoire la semaine dernière du côté du Racing, les Montpelliérains devaient confirmer à domicile. Ouais, exactement, il fallait confirmer leur bonne santé là depuis quelques semaines et surtout cette victoire au Racing. On voit là encore une fois, c'est Bengam au sein. Il vient feinter la passe et venir inscrire cet essai en fin de match. Les Montpelliérains qui vont bien mieux là depuis quelques semaines et qui arrivent à petit à petit grappiller de nombreux points pour se sortir de cette zone rouge. Face à des Bayonnais qui ont du mal hein, à l'extérieur, ils sont impériaux à domicile à Jean Daugé, les hommes de Grégory Patin. En revanche, à l'extérieur, c'est plus compliqué. Ils ont su réagir à la fin de la première période avec Aurélien Calandré qui va s'offrir même un doublé ici avec un petit peu de réussite sur ce contre avec Gabriel Gandebe. Doublé donc pour Aurélien Calandré. À ce moment-là, les Bayonnais sont devant au score 20-17, mais c'est l'essai d'Arthur Vincent en suivant qui va donner une victoire. Il y aura ensuite une pénalité de Louis Carbonel. Victoire 28-23 pour Montpellier qui respire un petit peu et qui donc met la pression sur cette équipe de Perpignan qui pour l'instant répond présent et qui mène 20-6 dans cette première période avec deux essais inscrits en première mi-temps par les Catalans. Le premier a été inscrit par Tavité Veredamou sur une mauvaise sortie de camp des Rochelais. Ouais, les Rochelais qui se font contrer. Ensuite, c'est ce bon jeu au pied dans l'espace libre de Dugui Valou pour son partenaire Veredamou qui arrive à être le plus rapide. Qui, après arbitrage vidéo, c'est pas joué à grand chose. C'est pas joué à grand chose, mais le ballon est aplati avant de toucher la ligne. Et le deuxième essai va arriver ici, une relance de leur propre camp et un essai conclu par Tomasso Alan. Encore une fois, c'est Veredamou qui arrive à gagner son duel dans son couloir, remettre à l'intérieur avant contact à Tomasso Alan qui fait parler sa vitesse, qui vient sommer les Rochelais. Les Rochelais qui ont réussi à marquer 6 points juste en fin de mi-temps pour ne pas trop être décroché, pardon. Niveau du score, on avait un 6, il va falloir qu'ils score rapidement les Rochelais. C'est bon, on peut y aller. On espérait quelque chose dans cette seconde mi-temps. Ils ont été présents, bon, les Rochelais, dans l'intensité, mais c'est vrai qu'ils se sont fait cueillir par ces deux essais. Bon, deux essais qui sont largement évitables. Un contre et ensuite une contre-attaque de 80 mètres. C'est Antoine Astoy qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. Perpignan mène 20-6, deux essais à zéro. Mais il y a une donnée importante dans cette seconde période. C'est le vent qui était pour, en tout cas favorable aux Catalans en première période. Il va l'être donc pour les Rochelais en seconde période avec un premier ballon pour se tenir. Thomas Ployer. Astoy. Georges-Henri Colombe qui a voulu passer après contact mais il a perdu le ballon. Georges-Henri Colombe en avant. C'est dommage, on force un peu le jeu là côté Georges-Henri Colombe. C'est qu'il avait réussi à dégager le haut du corps. Son partenaire, je n'ai pas vu qui c'était. C'est Quentin Espio qui vient de rentrer. En avant de passe noire, bleu la mêlée. Il n'a pas pu se saisir de ce ballon. C'est bon, on y va, bleu. Ils ont de bonnes intentions, les Rochelais, depuis le début de ce match, mais ils sont un peu imprécis dans leur jeu offensif. Ils n'arrivent pas à conserver le ballon plus de quelques temps de jeu. Après les liaisons, j'ai pas le temps de. Pas de soucis. Déjà la première mêlée. J'ai trouvé long, après déjà, seulement long, une oui, minute de jeu. Là, c'est liaison et impact. Cette seconde période. Introduction Tomé Cochard. Flexion. Oh là là. Lié. Je. Restez en haut. Il est stable. Ballon dispo pour Oviedo qui s'appuie sur les Cochards. On va changer de côté avec McIntyre. Un petit jeu au pied de McIntyre. On la zone un peu libre. C'est un petit peu n'importe quoi. C'est pas un compte pour moi, c'est en avant. C'est un avant de la part de Lucas Dubois sur cette proche du ballon, pour moi, reprise de volée, plat du pied de Brice Dulin. Il a essayé côté catalan de feinter un départ côté droit, renversé côté gauche avec un petit jeu au pied. Il faut essayer de mettre Brice Dulin très en retard.
Il avait bien anticipé Brice Dunin, il avait réussi à arriver juste avant les attaquants catalans. Ouais, je disais à votre joueur, je le vois plus comme un en avant qu'un contre. Ma perception. Hein. C'est bon, Gilles. Visiblement sur ça cette action. Ça a l'air d'aller pour le demi d'ouverture australien. On reprend la réflexion. Et une nouvelle mêlée. Allez, on y va. C'était bien disputé. Ballon dispo pour Oviedo. Elle était de belle facture. Elle avait duré un moment. Le premier ligne a réussi à rester. Rester droit, rester debout. Reprise du temps, Christophe. Flexion. Lié. Je. Carbarlo. Ballon dispo et première pénalité de cette seconde période. Elle est contre Perpignan. Cette fois, c'est Rolofsé qui a partout ses appuis. Non. On rappelle, il y a eu beaucoup de pénalités en première mi-temps. 8 contre Perpignan. Celle-là, c'est la 9e. 7 contre le Stade Rochelet. Tournestoy qui trouve la touche quasiment sur la ligne des 22 mètres. Première occasion peut-être pour les Rochelais. Enculé. Avec Quentin Lespio qui est rentré au poste de talonneur à la place du jeune Sacha Idoumi. Grand Corrier qui n'a pas réussi à saisir de ce ballon en avant. Ok. C'est moi, j'ai encore une petite imprécision. Cette connexion là, entre le lanceur, avant le lancer était plutôt bien réalisé. Ouais, pas de soucis. Après, c'est pas mieux partout. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas trop à se saisir de ce ballon. Ouais, peut-être que le lancer était un peu rapide aussi. Il y avait le contre-catalan qui était là pour perturber le lancer. Restez en haut. Important, celle-là de mêler pour les deux équipes. Rochelet, il faudrait qu'il marque rapidement pour revenir dans cette partie. Créer un petit peu de suspense cette deuxième période. Ouais, c'est pas les 8, hein, Thibault. Il y avait 26, un essai, on remet tout de suite dans le match. Mais c'est vrai que les Rochelais sont un peu imprécis là, depuis le début de ce match. Et ça fait surtout deux pénalités de suite dans le secteur de la mêlée. Et eux qui avaient pris les points en fin de seconde période, en fin de première période, vont peut-être continuer sur la même lancée. Pareil, on va au sol. Ouais, deuxième fois coup sur fouet, que Nemo Rolofsé se fait pénaliser. Poteau. Tournestoy qui peut ramener son équipe finalement à 11 points. Ouais, évidemment, les Rochelais, on les connaît, c'est une équipe d'expérience. Ils ont remonté, je le disais en première mi-temps, ils ont remonté déjà des situations bien plus critiques. Tournestoy a l'opportunité de marquer les trois nouveaux points. Troisième tentative pour Antoine Astoy. Ça va passer 3 sur 3 donc pour lui et 29 pour les Rochelais qui petit à petit reviennent dans cette partie. Pas mal d'absents. Alors forcément il y a les internationaux français, Antonio, Boudéan, Danti, et également Aldrit et Bourgarit qui faisaient partie de la première liste mais qui sont blessés. Et ensuite Latou, Skelton, Noël, Delaine, Paiva qui sont blessés. Ça fait du beau monde côté Rochelet. Encore une fois là on a capter le ballon correctement. Tout de suite, après avoir marqué des points, on va se remettre sous pression. Prendre la possession du Perpignanais. Mais encore une mêlée. Allez, ils ont été doublement pénalisés
manger. Les Perpignanais dans le début de seconde période. Flexion. Lié. Je. Dispo pour Ecochard qui va pouvoir s'appuyer sur De La Fuente. Tailleur, petit jeu au pied, contré par Teddy Thomas, attention, ça peut aller très vite. Est-ce qu'il va pouvoir dépasser McIntyre? Non, heureusement le bon geste défensif de la part de Jake McIntyre. Et Cochard qui feinte la passe, qui peut remettre son équipe dans l'avancée grâce à Patrick Sobella. Volofse. Non, au sol. McIntyre dans le dos pour Veridamou. Heureusement qu'il a gardé ce ballon. Setoni avait anticipé la passe dans le dos. McIntyre qui porte. Repris par Rémi Piquette. Cochard pour Tetrashvili. Mais là, on est bien monté côté Rochelet. Un peu comme en début de match. On met la pression. De La Fuente avec Veredamou qui va chercher les extérieurs. Le ballon un petit peu dans les chaussettes de Patrick Sobella. Et là, en avant, commis par l'ancien Lyonnais. Ah, c'est dommage, on avait vu l'opportunité dans le couloir extérieur. Comment ? Réussi à se transmettre le ballon. Il veut passer avec moi. Teddy Thomas, Carvalho qui était en train de se replacer. Il est mieux placé que moi, il me dit en avant. Je vais pas aller contre lui, mon jeune assistant. Ben oui, mais il est mieux placé que moi. Non. Un McIntyre qui sont touchés un ischio. Il est mieux placé que nous. Il n'y a pas de numéro 10 sur le banc du côté à Perpignanais, mais Tommaso Allan. 10, vous sortez, monsieur. Peut évidemment jouer à l'ouverture. McIntyre qui dit non, je sors pas. Si, c'est... Le staff a fait son choix. Vous laissez pas le choix, monsieur. Alors, il est remplacé par Nakalevu qui va prendre place au centre. On imagine que Dougie Vallou va glisser à une aile et Lucas Dubois à l'arrière pendant que Tommaso Allan va prendre le poste de numéro 10. Réorganisation derrière. Ça peut avoir aussi son importance en cours de match comme ça, de s'adapter. Que c'est taille-taille, hein. J'ai l'impression qu'il y avait en avant. J'ai bien vu l'organisation côté catalan. Il y a eu un changement au poste de pilier droit avec Alexandre Kuntelia, le géorgien, qui est rentré à la place de Georges-Henri Colombe. Si vous voulez plus de distance, prenez-la. Mais ça se passait très bien, d'accord? Donc on va continuer sur ce tempo et sur ce rythme. Trop près du coup? Moi, non. Ah, okay, ça se passait bien. C'est si ça se relève, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Okay. Sandro Bonnet-Deschamps, avec moi. Confiance. Allez, tranquillement, monsieur Descôtes, avec tous les joueurs, là, depuis le début de ce match. Vous la prenez. Ouais, c'est bon, je pense que ça va être bon. Là. Go! C'est 4! Première allée pour Kuntelia. Prendre ses repères aussi. Flexion! Lié! Je! Non, c'est dans l'autre sens. Il s'est trompé, monsieur. Ok, il est. Monsieur Descôtes. Dispo, il faut introduire. Il estimait que. Non. Le ballon n'avait pas introduit assez rapidement. Il considérait aussi qu'il n'y avait pas de stabilité. Il faut introduire. Ouais. Ils ont disputé les mêlées depuis le début de ce match. De côté. C'est dispo pour moi, pardon, je vais introduire rapidement. Discussion de Telespo qui est. Pour moi, le ballon est disponible, quoi. Il faut la jouer rapidement. Je peux pas le bloquer. C'est pas grave. Arrête les. La première ligne des Catalans avait poussé. Poussé un peu trop tôt. Go, ça catch. Flexion. Lié. Je. Restez en haut,
restez en haut. Ballon dispo pour les Catalans, mais il y a une transmission en avant. C'est un petit peu brouillon hein, ce début de seconde période, on va pas se mentir. La vôtre c'est bonne, entre le 13 et le 20 ou 22 là, qui vient d'entrer en avant de passe. Ou la vôtre elle est bonne. Du coup c'est pas trop avant l'intro. Parce que les Rochers sont brouillons, mais les Catalans aussi, donc Ogara il sent aussi que pour son équipe il y a l'opportunité de revenir. Ouais, exactement, il voit bien que son équipe elle n'est pas dépassée par le rythme, elle n'est pas dépassée par cette ferveur catalane. C'est vrai que ils ont pris un peu de retard là, notamment pour un mi-temps. 5-4 Flexion lié. Je ballon calé. Est-ce qu'il est fort de la mêlée catalane? Mais le ballon est sorti par Johan Tanga qui va pouvoir décaler Teddy Thomas. Le crochet, Teddy Thomas qui évite la touche. Est-ce qu'il va vraiment l'éviter? Oui. Trouve le soutien de Jiliquel Cancorier. Un gros travail de la part du Antanga derrière sa mêlée qui était en souffrance. Il réussit à extraire ce ballon. Avec Astoy. Astoy de Sotoni. Fin de passe de Sotoni. Les trois quarts Rochelet, on ne les a pas beaucoup vus à l'œuvre. Ils sont bien cadenassés là par les défenseurs catalans. Il est tombé sur Sobella, il peut libérer son ballon tout de même. Avec Raymond Roule qui pousse au pied, mettre en difficulté Lucas Dubois, c'est plutôt bien fait, occupation. Pourquoi pas, on n'arrive pas à trouver la solution par le jeu à la main, on essaye de pousser le ballon dans des espaces libres pour mettre en difficulté le troisième rideau catalan. Voilà, maintenant qu'on a... On a trouvé une bonne touche, il va falloir essayer de mettre la pression là, sur l'alignement catalan. Essayer de monter dans la bonne zone pour perturber le lancer, perturber la connexion avec son sauteur. Avec les sauteurs, pardon. Allez, lancer pour l'âme. Allez. Important. Un petit peu moins d'une demi-heure de la fin de cette rencontre. Van Tonder impeccable. Ballon dévié pour Oviedo, on s'appuie sur les hommes forts. Pour les moments importants côté catalan. Cochard qui va s'appliquer. A dégager son camp, attention, le ballon est contré. Récupéré par Van Tonder, c'était un... limite de commettre un petit en avant. Jacobus Van Tonder, l'ancien Clermontois. Est-ce qu'il a mis les mains sur le ballon? Les Vanni Botia. Oui, voilà. Ballon bien conservé par Perpignan. Et c'est long là, sortir du camp. Restez. Ouais. Allez toucher. Allez toucher, Steph. Le rôle qui rabat ce ballon pour Johan Tanga, le crochet. Le Tanga, préparé Cochard. Dispo pour Carbarlo avec Poyer, la petite passe supplémentaire, c'est bien fait pour Panverne, il est passé. Ballon dispo, Astoy qui allonge pour Dulin, se tenir, le 1 contre 1. C'est bien défendu une fois de plus de la part de Dougui Valou et ballon perdu par les Rochelais. C'est dommage encore une fois, on perd le ballon trop rapidement côté Rochelais. On s'était mis en bonne position là pour essayer de développer du jeu offensif. Une fois, c'était le bon plaquage de Dougui Valou sur l'adversaire direct sous Teddy. Monsieur, genou au sol, je peux y aller? Non. Monsieur, genou au sol, vous arrivez? Ballon est dans le roc encore. Stop. Là, regardez. Voilà, maintenant, il n'est plus. Ouais, ils peuvent mettre la pression sur Tomé Cochard, les Rochelais. Ils n'ont pas récupéré le ballon, mais ils ont gagné 10 mètres au moins. Il y a 9 canons, ils vont pas la taper, ils vont la jouer là-bas. Derrière les pieds, capitaine. Deux joués là. Attention, ils sont encore sous pression avec cette mauvaise passe, en tout cas une mauvaise réception. C'est un moment charnière là dans cette rencontre, les Perpignanais qui n'arrivent pas à sortir de leur camp. Dans l'axe, Alan. Joue au pied très haut. Et avec le vent, ça va revenir. Brice Dulin qui a hésité, qui n'hésite pas finalement. Le jeu au pied dans le dos de Veredamo, là faut pas louper le plaquage. Mais attention, il y a des espaces avec De La Fuente, Veredamou,
qui évite le premier plaquage. Veredamou qui tient debout, qui arrive à trouver du soutien. Et Cochard pour Rolofseux. Alan, repositionné en 10. Dougui Valou qui va défier Brice Dulin. Là sur Sobella, peut-être le grattage de Panvert, non, la pression encore sur les Catalans. Là il y a des espaces sur l'extérieur avec De La Fuente, Veredamou qui est bien pris une nouvelle fois par Jules Favre. Ballon qui est conservé de Jules Favre. Le ballon perdu. Ils ont finalement, grâce à leur bonne défense, les Rochelais étaient patients, ils récupèrent ce ballon. On cherche le chaos côté Catalan, on part de loin. On essaie de trouver la solution en balayant le terrain. Et un bleu. Et non, vous sortez aussi. Vous sortez aussi. Sans compter cette bonne défense là de la part des Rochelais. Accepter de perdre un peu de terrain et ensuite. Il arrive. Mettre la pression sur Tomé Cochard pour récupérer ce ballon. Ils sont là dans le match, les Rochelais, depuis le début de cette seconde période. C'est dommage, ils ont quelques petites courries sur les animations offensives, le fait de conserver le ballon. Change de pilier gauche des deux côtés. Tchoki à la place de Tetrashvili côté à Perpignanais. Sclavi à la place de Louis Panverne côté Rochelet. Également un changement de mine mêlée. Sadek Dekmash est rentré à la place de Tomé Cochard du côté de Perpignan. On y va, allez. Deux. Pas trop de choix, je lui dis Valou, il est obligé d'aller. Christophe en prise. Flexion. Lié. Je. Ballon sorti une nouvelle fois par Tanga pour Carbarlo. La passe dans le dos. On essaie de fixer cette défense. Attention à Dougui Valou qui avait anticipé. Redam aussi qui avait bien supplé son arrière. C'était bien défendu là de la part des Catalans. Accepté de perdre un peu de terrain. On est arrivé à l'équilibre du Givalou. Il a réussi à venir mettre beaucoup de pression là sur Brice Dulin. Bonne défense de cette tenue. Ici le côté fermé peut-être. La passe sur le pas de Veredamou pour Dubois qui ne débordera pas Teddy Thomas. Je. Il n'a aucune influence. Soudé là. Degmash. Je, ballon sorti. Un petit arrêt anticipé là aussi sur Nakalevu. Et le ballon récupéré par les Rochelais. Ils partent de loin les Catalans, mais. Et ça conteste, attention, parce que ça va faire 10 mètres de plus. Et là, on rentre dans les cordes d'Antoine Astoy. Ouais, on parle, on conteste les décisions. Donc, allez-vous, il me semble. Plus d'être pénalisé. Il y avait le ballon ici. Non. Juste, il est au sol, il faut qu'il lâche le ballon, il n'a pas à contester derrière, d'accord ? Elle est claire la faute pour moi, merci. La défense rochelaise qui permet à son équipe de rester dans le match. Antoine Astoy qui est bien en réussite là, au niveau de ses tirs au but, qui va tenter les 3 points. On voit les Catalans partir de loin, on voit les 3 quarts faire les efforts, essayer d'alimenter le côté opposé. Alors c'est tout à leur honneur, hein, mais c'est vrai que ça fait 2 fois où ils se font. 4 ils se font pénaliser, ils se font gratter des ballons. 4. Tout à l'heure, c'était Tomé Cochard qui s'était fait. Et le 11, je sais pas où il est. Qui s'est fait plaquer, qui avait perdu le ballon. Là, cette fois, c'est Nakalevu. Il permet au Rochelet de rester dans le match. Sous la bronca catalane, Antoine Astoy qui va tenter son 4e coup de pied pour tenter de ramener son équipe à 8 points. Ça passe 4 sur 4. Antoine Astoy continue sans faute, 20 à 12. Et comme en première mi-temps, grâce donc à 4 pénalités de son demi d'ouverture, La Rochelle revient. T'as envoyé le joueur, c'est bon ? Il y a eu changement. Okay. Avec notamment l'entrée d'Yaya West. Pas sûr que ce soit la place d'Antoine Astoy. Ouais, c'est la place de Raymond Roule, c'est Jules Favre qui va glisser sur une aile. Roule qui a 88 encore, c'est son premier match. Par les Vanni Botia. Ballon
rentré. Hein. Ballon rentré. Oscar Jégou également est rentré à la place de Thomas Ployer. Dégagement de Pierre Barlow qui doit laisser ce ballon dans l'air de jeu, mettre la pression désormais sur les Catalans et sur Oviedo. Premier plaquage pour West. Tête mâche pour Sobella. Non, au sol, non, les mains, non. Petit retour à l'intérieur. T'es fort sur Alan, attention, peut-être le ballon récupéré par Teddy Thomas. Il y a un petit coup de sifflet de Monsieur Descote. Qu'est-ce qu'il y a? On entend Ronaldo Guérin qui hurle sur le bord de la pelouse. Il s'expose un peu, les Catalans, je trouve. Non, ça fait partie de leur jeu, ça fait partie de leur ADN de partir de loin. Ça va précipiter, il me semble, Monsieur Descote pour siffler. Pas sûr qu'il ait touché ce ballon, les Vanni Bottia sur le placage. Deux changements. En tout cas, ils ne contestent pas. Et le 8. Voilà, je disais, les Catalans, on a l'impression qu'ils jouent un peu avec le feu là. Ils cherchent à partir de loin. La défense, Rochelais est bien en place. Le ballon est là-bas. Attention à ne pas souffrir. Allez, Lama. Un contre. Il y a du beau monde aussi sur le banc de Perpignan avec l'entrée de Lucas Velarde en numéro 8 à la place de Joaquin Oviedo et Ignacio Ruiz au talonnage à la place de Seyla Lalame. On attend, il n'y a pas de deuxième. On reste propre. Hein. Flexion. Lié. Je. Restez en haut. Stable. Ballon dispo pour Degmash. Là, on va jouer au pied. Attention, c'est encore contré avec Yaya West. Est-ce qu'il sera le premier sur ce ballon? Oui, mais il est repris par Tomasso Alan. Ballon dispo pour Jégou. Ah, il y a une pénalité, c'est flagrant là. Sous les yeux de monsieur l'arbitre. Il me semble que c'est Alain Brazo qui s'est mis à la faute. Vous le disiez, ils s'exposent les Catalans à partir de leur camp. Ils ont récupéré cette mêlée, certes, mais. Il y a West, il a. Voilà. Il vient se lier, il n'y a pas de souci. On va revoir. Il y a West qui arrive à contrer Tomasso Alan. Ils vont prendre des points, ils vont continuer les Rochelais à revenir petit à petit dans ce match. Ouais, je disais, les Catalans, ils partent de loin. C'est vrai ça fait leur jeu. Hein. C'est leur jeu là depuis le début de saison. Ils aiment bien porter le ballon, mais c'est bon la marque. C'est vrai qu'il fait cette belle défense rochelaise. Ils s'exposent à des contres. On parlait de l'indiscipline. En première mi-temps, elle continue pour les Catalans. 4 pénalités dans cette seconde période. Ça fait 12 pour eux. Et aucune pénalité contre La Rochelle. Sifflé en seconde période. Ça a déjà dépassé la moyenne de pénalités qu'ils concèdent par match. En général, ils en concèdent 11. Les Catalans, là, ils sont déjà à 12 à 60e minute. Et ça fait 20-15. Ouais, il y a le 20-0 pour Perpignan. Ça fait 15-0 dans l'autre sens. Exactement. Les Rochelais qui y croient. Ils sont présents grâce à la qualité de leur défense. Les apports du banc vont être importants. On a vu Ignacio Ruiz, Lucas Velarde rentrer. Non, le ballon est là. Neuf. Jouez là. Encore une fois, dégagement de la part de Pierre Barlow, Veredamo impeccable. Ballon récupéré. Charge de Tanguy qui échappe au plaquage de Judikel Cancorier. Il avance. Ancien Toulonnais. Calez-vous. Face à West. Il avance lui aussi. Calez-vous. Remise à l'intérieur pour Velarde, la part d'Alan, c'est bien fait. Voici la première pénalité qui va être sifflée contre les Rochelais dans cette seconde période. La charge de Rolofseux, ballon dispo pour Ignacio Ruiz. Plaquage lâché. Guy Valou. Lâché au sol.
Calez-vous la fin de pince. Il est pris par Rémi Piquette. Est-ce qu'ils vont pouvoir profiter de l'avantage les Catalans? Chucky. Épaulé par Lucas Vellart. Bonne défense. Non, les mains. Des Rochelet. Alan, la longue passe. Ou alors avant celle-là. On l'a vu de suite. Monsieur Descôtes, on va revenir. Et donc la première pénalité contre La Rochelle dans cette seconde période. Est-ce qu'ils vont prendre les points? Les Perpignan n'est pas facile. Il a réussi Thomas Wallan depuis le début de ce match. C'est quasiment une des premières incursions, hein, il me semble, de la deuxième mi-temps là, dans le camp Rochelet. Ouais. En touche. C'est vrai que s'ils arrivent à marquer un essai sur leur seule incursion, ça va mettre un sacré coup sur la tête des Rochelais. C'est ce qu'ils vont tenter de faire, les Catalans, avec un lancer à suivre pour Ruiz. On voit c'est Botia qui est sanctionné. Il y a sur Ruiz, un quart d'heure de la fin, lancé pour l'international argentin. Brazo qui est servi, on saute pas côté Rochelais. On va tenter de résister. C'est bien conduit pour l'instant. Le ballon toujours les mêmes indignations. Ruiz, il est sorti. On a bien résisté, on a bien résisté côté Rochelet. Là, il faut relancer le jeu. Charge de Vellart. Attention, parce que là, il est pris en haut, Vellart. Et le ballon récupéré par les Rochelets. Et c'est sur ça qu'ils doivent s'appuyer. Sur cette rencontre, pour l'instant, les Rochelets, c'est défensivement. En place, ils ont réussi à. C'est la deuxième fois ou le troisième ballon porté, hein, qu'ils arrivent à contrer là, les Rochelais depuis le début de ce match. On a vu les Catalans qui avaient réussi à se construire, mais. Ici, là. C'est bon. Là, sur Ruiz, il a été obligé de partir là. Esselé. La marque, le dos. Et ensuite, le Cavellart, il va se faire. C'est un mol. Coffret. Là, on va lancer le mol rapidement. C'est le temps avec l'art de s'organiser pour libérer son ballon. Et les Rochelais qui s'en sortent bien. Il va falloir essayer dans un premier temps de gagner cette mêlée, de sortir proprement de son camp, pas donner trop de un bon ballon de contre-attaque là au Catalan. Avec l'effort des Catalans, ballon sorti heureusement, c'était une extrémiste, il avait le sifflet à la bouche. Monsieur Descôtes. Non, pas à l'épaule. Il faut s'appliquer. Côté Rochelet, pas concédé de pénalité. C'était bon, encore une fois. Vellart qui a failli récupérer ce ballon. Jouez là. Oui, mais regarde, c'est soit qui va. Non, ballon couvert. Belle cette touche de Carvalho. En même temps, il avait le vent contre. Là, avec l'appui du vent, il est bien plus à l'aise. Là. Ici. Regardez la marque, monsieur, s'il vous plaît. Tanguy qui laisse sa place à Chonerou. Sur le bord de la pelouse. Alors, c'est pas droit. Là, c'est en train de basculer, on le sent. En faveur des Rochelais, mais maintenant, il faut concrétiser. Encore. Parce qu'ils ont encore 5 points de retard, les Rochelais. Ouais, il sentait les coachs Rochelet là qui a un coup à faire là dans cette seconde période. Ouais, on sent aussi que depuis la réorganisation hein, derrière côté catalan, c'est un petit peu moins fluide avec Alan en 10. Alors il a joué 10 la semaine dernière, mais là il avait commencé le match à l'arrière. Dubois du coup qui est à l'arrière qui a commencé à l'aile.
avoir le haut pour Astoy qui n'échappe pas à la défense. Où est-ce la Chistera? Il reste du temps. En avant. On se précipite un peu. On avait vu la bonne montée là de. Il y a au moins pas un mètre, mais pas loin. C'était un calé-vous. En avant de passe. Il était bien placé, monsieur l'arbitre là. Côté opposé. 7! 7 changement. En tout cas, heureusement qu'elle est en avant celle-là, parce qu'il y avait une belle opportunité pour les Rochelais ensuite. Donc allez voir qui s'était projeté là pour défendre, qui a mis la pression sur Antoine Astoy. La marque, allez, on y va. Givalu qui a bien suivi. 16, pareil. Alors c'était pas du Givalu, c'était un. La fouetté. Coutelet qui est rentré à la place de Brazo donc. Nouvel attelage en deuxième ligne et c'est Van Tonder qui est passé de la deuxième à la troisième ligne. De Lucas Vellart et Patrick Sobella. Lié. Je. On va bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes. Je partirai. Et les propres d'Egmash pour Nakalevu, premier attaquant. Pris par Sotheny. Alan à hauteur pour Dubois. Teddy Thomas qui s'accroche en défense. Première possession de la seconde période des Catalans dans les 22 mètres. Il y a un avantage. 7 au sol qui plaque. 7. La marque. Cherche désormais dans Rolofseux. Avantage en pénalité. Avec Dubois qui arrive à servir de la Fuente qui résiste. Au bord du ruck peut-être. Donc il y a du mal à sortir. On est toujours sur l'avantage, il faut être patient côté catalan. La pénalité qui est en bonne position, la côté opposée. Non. Nouvel avantage. En tous les cas, ils en profiteront. Les Perpignanais, s'ils n'arrivent pas à passer la ligne. Rolofseux. Ballon libéré. Degmash, pas hauteur pour Dougui Valou, pris par Botia. Dans le côté fermé, il y a encore du monde, une passe supplémentaire, non Vellart, il va y aller tout seul. À 9 minutes de la fin, c'est peut-être l'essai qui va libérer Mégiral grâce à Lucas Vellart, le troisième essai catalan ce soir. Ouais, belle séquence des Catalans, ils ont été patients sur toute la longueur de cette séquence, les soutiens étaient proches. On était sur deux avantages consécutifs. Et après de nombreux temps de jeu, c'est Lucas Vellart qui va réussir à venir aplatir ce ballon. Il arrive à s'infiltrer, à gagner son duel. Il n'a pas réussi à sortir les bras, on l'a vu, il cherchait à passer son ballon. Et finalement, avec son élan, sa puissance, il arrive à venir aplatir. Et c'est quelques minutes de la fin de ce match qui va sûrement faire basculer définitivement les Catalans vers la victoire. Tiens, on parlait du banc tout à l'heure. Lucas Vellart qui inscrit donc ce troisième essai. On a beaucoup vu aussi Nakalevu, puissant. C'est son troisième essai de son équipe. Point de bonus offensif momentané. C'est son cinquième essai de la saison pour Lucas Vellart. Petit point d'avance pour Perpignan. Ça commence à sentir bon pour la victoire. Effectivement, vous l'avez dit, Julien, pour l'instant, elle est bonifiée, cette victoire. Si La Rochelle n'arrive pas à marquer un essai. Alan qui va continuer son sans faute. 27-15, 12 points d'avance. L'objectif maintenant pour les Rochelais, ça va être de marquer un essai. Arrêt du temps. Pour aller chercher un point de bonus défensif. Le 9, le 13. 17 points pour Alan ce soir. 7 changement. Le 7. C'est bon, il est sorti. Il arrive là-bas. Reprise du temps. On voit plein axe. Tout petit peu long pour mettre la pression. Mais heureusement que Dubois commet un en avant pour les Rochelais. Déjà, ils sont de retour avec Cancorier. Non. Bergeon qui est rentré. Dominique Mêlée à la place de Carbarlo. Charge de Sclavi. Qui est renvoyé par son non. Patriote Ignacio Ruiz. Ballon, il sera dispo.
aussi de niveau court. Rémi Piquette, la charge du deuxième ligne, Rochelet. Il faut tenter du côté de La Rochelle avec Dulin pour West. Là, il y a un petit peu de vitesse, Yaya West, le crochet. Repris par Van Tonder. Ouais, on se déplace bien, défense côté catalan. La passe sur le pas de Jégou, c'était bien fait. Pendant que Favre a été sèchement plaqué par Nakalevou et les Perpignanais qui récupèrent une nouvelle pénalité. C'est Nakalevou qui était venu mettre la pression là, une fois de plus dans un ruck. Arrête du temps. Par contre, vérifier. Arbitrage vidéo. Bruno, on veut contrôler le potentiel jeu déloyal, s'il te plaît, sur le joueur noir qui restait au sol. Parce que certes, il était en train de tomber, Jules Favre, mais il y a peut-être contrôler le plaquage à la tête. Personne n'est sûr, on va voir. Le joueur vient plaquer pour moi. Le noir glisse, bah non, il n'y a pas de jeu déloyal, on va regarder sur cette image. Sur son appui, Jules Favre il glisse complètement. Bah, c'est un plaquage régulier. Les épaules de Nakalevou est au niveau du ballon de Jules Favre. Normalement, il ne devrait pas y avoir de sanction. On va rester, comme l'a dit Monsieur Descotes, sur la pénalité. Les Catalans qui ont été bien en place défensivement tout au long de cette partie. Ils ont concédé, c'est vrai, quelques pénalités. Mais ils ont pas concédé de franchissement net, bon, si ce n'est celui de Johan Tanga en tout début de match. Après, ils ont réussi à faire front à toutes les offensives rochelaises. Petite touche trouvée par Thomason Alan. Ils ont le ballon encore, les Catalans. Ces 6 dernières minutes, lancé Ignacio Ruiz. Alain Brazo qui a fait son retour sur la pelouse parce que malheureusement Tristan Laboutelet s'est blessé sur les quelques minutes qu'il a passé sur la pelouse. Brazo est de retour. Côté fermé, pourquoi pas. Le jeu au pied de Degmash. Récupéré par Favre. Dulin à la relance. Il faut prendre des risques côté Rochelet pour aller chercher ce bonus défensif. Et tout de suite les défenseurs catalans ils sont remplacés. Là, ils ont fait les efforts pour venir colmater les brèches intérieures. Dulin qui allait chercher Sclavi. West. Beaucoup. Côté fermé, il n'y a pas trop d'espace. Attention parce que Veredamou, c'est pas le dernier pour défendre non plus. Et le ballon récupéré avec Nakalevou pour Alan. Et c'est dommage pour les Perpignanais. Il a commis un petit en avant. Tomasso, Alan. On se précipite un peu. Alors. On a fait ce qu'il fallait. On a essayé d'écarter le ballon, mais Tomasso Alan n'a pas réussi à s'en saisir. On va offrir une bonne opportunité là pour les Rochelais d'aller pourquoi pas inscrire un essai, essayer de grappiller un point de bonus défensif. Sur la mêlée. Allez, ici. Ils ont été présents tout au long de cette partie, les Rochelais, notamment en défense. Ils se sont retrouvés, c'est vrai. En termes d'intensité, en termes d'activité défensive, mais c'est vrai que niveau offensif, c'était un peu imprécis, on manquait un peu de maîtrise. On va avoir l'occasion là, sur cette mêlée, il ne reste pas beaucoup de temps, pourquoi pas. Mettre en difficulté les défenseurs catalans. Flexion. Lié. Je. Non. C'est rapide et devant au sol. Là. Oui. Encore ? Ah ouais, parce que je me dis, j'y arrive pas. Pas de problème. Il rentre un peu sur l'embarque. Pas de souci. Je rallonge. Je vais entrer dans les 4 dernières minutes. Introduction pour Thomas Bergeon. Point de bonus défensif à aller chercher pour les Rochelais. Pour la Rochelle. Cette fois, il a sifflé. Il fallait rapidement en touche. Parce que si les Rochelais venaient à marquer avant la 80e, il y aurait une deuxième opportunité.
Ouais, il faut qu'ils arrivent. On va marquer une fois. On n'a pas vraiment été en position là, de marquer un essai depuis le début de ce match. Hein. Certes mis à la faute les Catalans, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de franchissement, d'occasion nette d'essai. Les Catalans qui encaissent 3,7 essais par match n'en auront encaissé aucun pour l'instant, en tout cas en 77 minutes. Ballon porté. Bergeon qui va peut-être sortir ce ballon parce que ça n'avance pas du tout. Ballon de passe pour West, la passe au pied, Diaye à West pour Jules Favre. La bonne défense de Dubois, mais si c'est Dubois qui a touché ce ballon, Verenamou, il l'a récupéré devant. Visiblement, ce n'est pas le cas. Non, c'est marqué. Ça va être de nouveau une touche pour les Rochelais. La ligne. C'est vrai que ce soit Lucas Dubois qui a touché ce ballon. Non, c'est clairement Lucas Dubois. Du coup, après, il est en avant, ça n'a pas été sifflé finalement. Il y a un lancé pour l'Espio. Ballon volé par Van Tonder et récupéré par Lucas Bellaert. Ouais, ils ont eu les opportunités en fin de match, les Rochelais, pour revenir dans cette partie, essayer au moins de glaner un point de bonus défensif. Ils auront sûrement une dernière touche. Les Catalans, évidemment, ils vont se dégager. Peut-être mieux s'ils arrivent à mettre la pression sur Sadek Degmash ici, dans la dernière minute 30. Il ne faut surtout pas concéder de pénalité là pour les Rochelais. Ils auront une dernière touche pour essayer d'aller marquer cet essai. Voilà. On va être sur la ligne des 22 mètres, cette dernière touche. Une fois, c'était Van Tonder qui avait sauté dans la bonne zone pour réussir à passer devant son opposant pour contrer ce ballon. Ah, les Catalans qui vont faire l'effort évidemment sur cette dernière minute pour conserver le point de bonus offensif. Les Rochelais qui vont essayer d'aller arracher pourquoi pas un bonus défensif. Ballon capté par Oscar Jégou. Autour d'Antoine Astoy pour Brice Dulin, Teddy Thomas. Il n'a pas eu de ballon, Teddy Thomas, avec de l'espace devant lui hein, cet après-midi. Bon, la ligne des défensives des Catalans qui est bien en place. Il circule bien, voilà, maintenant il faut s'arrêter de circuler, le sens de jeu il va changer. Elle en avant de Thomas Bergeon sous les yeux de Monsieur Descotes. Finalement, une dernière action un petit peu à l'image de toute la rencontre du Stade Rochelais. Ils n'auront pas réussi à mettre réellement en danger cette défense de Perpignan. Trop d'imprécision au niveau offensif côté Rochelais. Sur cette partie, c'est qu'ils ont, ils viennent d'avoir trois opportunités, là, coup sur coup, de mettre en difficulté la défense catalane qui a été très bien en place tout au long de la partie. On reprendra pareil. Voilà, ils vont souffrir une victoire. A priori bonifié les Catalans, il va falloir qu'ils négocient bien cette dernière mêlée. Dans un premier temps, il restera quelques secondes pour envoyer le ballon en touche. Reprise qui s'offre. On tape et on se pose. L'opportunité de faire l'effort sur cette dernière mêlée. Les Catalans, après avoir dominé le Racing avec un point de bonus offensif, ils vont sûrement aussi là battre les Rochelais avec là aussi le point de bonus offensif en prime. Thomas O'Hallan qui envoie ce ballon hors des limites du terrain, c'est le gros coup de cette journée. 5 points, victoire bonifiée pour Perpignan qui s'offre un grand bol d'air dans la course au maintien avec une belle victoire 27-15 face au Stade Rochelais. Ah, ça a été compliqué pour La Rochelle, finalement, de la première à la dernière minute. On a senti un moment qu'ils ont failli revenir. Ouais, exactement, ils ont bien entamé cette seconde période. On a senti un moment de doute là chez les Catalans. Les Rochelais ont inscrit des points, notamment par l'intermédiaire d'Antoine Mastoy. Mais c'est vrai qu'ils ont, offensivement, ils ont été un peu imprécis. Ils ont manqué de maîtrise pour avoir de la continuité sur toutes leurs offensives. Évidemment, les Catalans, ils étaient présents en défense. Ils ont fait front, ils ont réussi à défendre leur ligne en but à quelques reprises et à récupérer quelques ballons au niveau des rucks.
Antoine Astoy. Antoine, match compliqué encore une fois pour La Rochelle aujourd'hui. Vous n'avez pas réussi à trouver la faille dans cette défense perpignanaise. Ouais, on fait deux erreurs en première mi-temps. On prend deux essais et ça fait chier parce que on fait une bonne semaine, mais on le prouve pas sur le match. Donc ça fait chier. On fait trop d'erreurs pour espérer quelque chose. Donc on a deux matchs à la maison et on n'a pas le droit à l'erreur. On a déjà loupé ce bloc, mais faut rebondir là. Ouais, c'est un mois de février compliqué pour La Rochelle en ce moment. Il y a eu le petit point de rappel de votre coach la semaine dernière. La semaine a été un peu tendue, ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, il faut retourner au boulot et on va retrouver la confiance. Mais là c'est sûr que c'est compliqué, donc on lève la tête. Mais après une telle première mi-temps, c'est compliqué de trouver des réponses là à chaud. Donc voilà, ça fait vraiment chier. Merci Antoine. Ouais, on se sent un petit peu touché, Antoine Astoy. Ronan Ogara lui est un petit peu stoïque. On voit des regards un peu dans le vide. Les Rochelais sonnaient, on l'a dit. Au début de match, ils n'ont jamais été en position de qualifier. Allez, avec Alan Brazo, vainqueur avec le bonus face à La Rochelle. Ça, c'est une victoire qui compte dans une saison à Perpignan. Oui, c'est sûr. On avait à cœur de réagir un peu de par la mauvaise deuxième mi-temps qu'on a fait la semaine dernière au Stade français. Et voilà, c'est l'essentiel, c'est les points. Après, on se fait peur un peu jusqu'au bout, mais on ne va pas faire les fines bouches. C'est pas tous les jours avec une ambiance comme ça, 5 points. Il faut savoir aussi apprécier. Voilà. Par contre, il faut se remettre au travail parce que ça enchaîne avec le week-end prochain. On sait que tous les points comptent. Alan, ce point de bonus offensif, il veut dire aussi quelque chose. Vous êtes allé le chercher. Quand on regarde les résultats aussi des autres matchs, ça se resserre en bas de classement. Donc jusqu'au bout, il va falloir lutter. Ouais, on sait que chaque point est important. On n'a pas su les prendre à l'extérieur, notamment des bonus défensifs. Donc voilà, chaque point va compter à la fin et c'est super. Ça vient valider un peu le bon travail qu'on fait depuis un petit moment. Et il ne faut surtout pas s'endormir et continuer sur ce lancer parce que quand on voit cette ambiance et tout, ça donne envie de travailler encore. Merci Alan, bravo. Et forcément, la joie d'Alan Brazo, victoire 27 à 15 de Perpignan donc face au Stade Rochelais. On va revoir, si vous n'êtes pas avec nous depuis le début de cette rencontre, ce qui s'est passé. On va voir les trois essais de cette rencontre, les trois essais qui offrent une victoire bonifié donc à Perpignan. Le premier signé Tavité Veredamou, l'homme en forme de cette équipe de Perpignan. Avec ce bon contre et ce bon jeu au pied là de Dugui Valu qui pousse le ballon dans l'espace libre. Des rebonds capricieux qui permettent à Veredamou de venir devancer de justesse et d'aplatir juste avant la ligne de ballon mort. À ce moment-là, Perpignan mène 13 à 0, vous le voyez. Et ils vont relancer, ils n'ont pas peur les Catalans de relancer de leur camp. Exactement, ils partent de loin les Catalans et Veredamou une fois de plus qui va réussir à gagner les duels dans son couloir. À jouer avant contact pour son partenaire et arrière Tommaso Alan qui vient aplatir le deuxième essai de son équipe. On voit Veredamou qui bat son défenseur direct. Et mon roule, il arrive à transmettre à son coéquipier. Là, changement, il fait nuit pour le troisième essai. Les deux premiers étaient dans le grand jour car c'est un remplaçant qui marque Lucas Vellard dans les 10 dernières minutes. Troisième et dernier essai pour offrir donc une victoire bonifiée à Perpignan qui s'impose 27 à 15. Sixième victoire consécutive à domicile au Stade Aimé Giral pour Perpignan. 16e journée qui n'est pas terminée. Évidemment, ce soir, le Racing reçoit Paris pour un derby qui s'annonce bouillant. Rendez-vous 21h05 sur Canal. Mais avant ça, évidemment, votre rendez-vous comme tous les samedis, le Canal Rugby Club avec Richard Dourque, Cédric Émance, Astrid Barr et Guillaume Garrigue. Merci à toutes et à tous. On va se quitter sur ces images de juin de la part des Catalans. Merci Julien. On se retrouve la semaine prochaine, encore une fois, sur Canal Plus Sport. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et bonne soirée sur les antennes de Canal.